Parce qu'en réalité, celui qui maudit, c'est le plus peureux. Celui qui maudit, c'est le plus peureux. Quand il vient d'effrayer, il y a pour lui ne soit pas effrayé. Il vient d'intimider, mais ne soit pas intimidé. Voilà, il vient d'intimider, ne soit pas intimidé. Attendez. Vous ne voulez pas partir au blague. Quand quelqu'un a un pouvoir, quand il vient qu'on a, il pique sa flèche à tête, il dit il ne faut pas dire quelque chose mal. Non, tu es en crise. Tu es sécurisé doublement et triplement. Tu es sécurisé doublement et triplement. Donc, la personne qui te maudit en été, il a peur. Parce que lorsqu'Israël partait, ce peuple avait roi, il peur. Ça fait le maudit, premier plan anticipé. Alléluia. Il a peur. Donc la peur quand il dit des paroles quoi, négatives. Sinon s'il n'avait pas peur, il allait te parler avec assurance. Et les enfants de Dieu ont tellement peur. Et aujourd'hui on dit non, le sorcier t'a maudit. Non, le sorcier peut te maudit. Il peut déclarer les paroles sur ta vie, ça va prendre vie, mes frères. Soyons, ayons nos yeux plutôt dans la parole de Dieu. Arrêtons de rentrer dans ce système qui ne nous apporte pas les aptitudes nobles dans nos familles, dans nos cours et au-delà même de nos cours. Oui, au-delà de nos cours. Pourquoi? Pourquoi? Le malin te fait croire que comme tu dis rien, c'est lui qui est peur. Non, à l'heure, il faut réagir. C'est pas ça? Hein? Tu l'as rien fait, tu passes un péché. C'est pas ça. Voilà. Allez, c'est. Seigneur, je gère. Seigneur, je gère. Seigneur, je gère. Elle lui a dit, Seigneur, je gère pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, il faut qu'elle sache que non. Mais c'est pas de ma vie à Dieu. Mais moi, je les sache que moi, il était comme un enfant. En réalité, je suis parti pour rentrer. Pour que ce qu'elle souhaite là-bas est arrivé sur nous. Alléluia. Oui. Parce que les paroles de malédiction, si vous n'arrivez pas à supporter les paroles de malédiction, c'est que ce n'est pas la peine. La personne te maudit, il dit des paroles à terme à ton intégrité morale, physique, sociale, qui veut remettre sa vie sur sa génération. Alléluia. Mais pourquoi il te maudit? Et toi tu trembles. Tu commences à faire des incantations. Non, tu ne vas pas trembler. Quand quelqu'un te maudit. Vraiment, toi, tu as des qui? Mais en conscience que quand la personne te maudit et tu remplis les conditions, là, il n'y a pas de problème. Si tu as travaillé dans son attribut, tu l'as volé, tu as attrapé l'entrée pour lancer les paroles de bénédiction, tu n'en es pas là. Alléluia. Parce que quand tu as un mot dans les dépassés, oui, parce que tout le monde allait faire les dégâts, même parce qu'il dit, si on me maudit de béni, si il a volé, on l'a attrapé, moi je te maudis, je vais prendre. Ouais, lorsque Israël va, Dieu va bénir Israël, le même balan va aller dire au roi, tu dois avoir la victoire sur chez vous. Dieu les apprécie des lois, il ne doit pas coucher les femmes étrangères, ni dans le monde. Donc, quand tes filles sont belles, envoyez-les vers les enfants d'Israël. Il a envoyé moi. C'est pas la paix des enfants d'Israël. C'est un enseignement profond. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un veut te maudire, il va chercher tes émotions, ce qui est négatif, pour que tu puisses manifester quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, pour que cette parole-là puisse véritablement venir dans ta vie, pour un certain moment, mais pas pour toujours. Mais lorsque tu rends compte que tu as fait quelque chose, tu t'as peur du Seigneur qui a la puissance de faire ces choses. Mais aujourd'hui, Dieu demande aux gens de bénir. On dit bénissez. C'est mort. Il n'a pas eu de discuter. Il n'a pas dit d'avoir les choses. Il dit quand l'homme te maudit pour bénir, il est mort. Bénissez. C'est mort. C'est pas discuter. C'est mort. Il y a quelqu'un béni des ennemis. Surtout ceux qui te maudissent. Bénis-les. Et
paroles pour suivre les vies. Maintenant, les bonnes paroles qu'on souhaite sur les vies, là, ces paroles-là, ça appartient à vous. Oui. Ou bien, j'ai une bonne parole. Les bonnes paroles qu'on souhaite sur les vies, là, c'est pour qui? Hein? C'est pour vous-même. Je pensais que tu allais dire c'est pour Dieu. Tu ne vas pas réussir. Que Dieu te fait réussir. Tu ne vas pas te marier. Que Dieu te fait marier. Tu ne vas pas avoir des enfants. Que Dieu te donne des enfants. Toi et ta famille, c'est rien. Que Dieu te donne le succès. Il te bénisse, il te lève, que ton nom vive. Alléluia. Avec des émotions positives. Lui, il est colérique. Toi, tu lui parles dans la joie. En souriant, le volume monte encore. Le métier monte. Il est encore plus arrogant. Donc, il fait te parler, tu ris quoi. Que Dieu me bénisse. Dieu là, il bénit nous tous. Tu n'es pas seul son enfant. Tu mets du quoi hein? Toi, mais n'as pas de folie. Toi, mais n'as pas de béni. Donc, lui-même, il utilise les mêmes paroles que tu as dites pour te ramener ça. Sans ta rencontre, sans qu'il s'en rencontre. Vous êtes avec l'intention de te maudire. Et il y a des lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui aime beaucoup vite maudit et qu'il a pris des paroles qui dit, il n'est plus encore de plus. Ici, mais des collègues pas possible. Alléluia. Alléluia. Il dit, ceux qui vous voient, haïssent. Tu as fait quelque chose. Tu n'as pas fait quelque chose. Il veut voir. Il t'est là. Mais pourquoi il t'est là? C'est parce qu'il y a Christ. Pourquoi il t'est là? Que l'on a encore le jour. Les gens du monde, ils aiment leur projet par rapport à ce que leur projet possède ou même ce qu'ils sont.